Gladius! Venas! Gava! Gladius! Au coup d'arrêt! Festival de l'Athènes, un festival qui a été créé pour célébrer la fusion des deux communes qui se partageaient ce site qui est très important pour nous. C'est le site qui a donné son nom au serrotage du fer gaulois. Donc un site éponyme qui a fait l'objet de refouilles récentes. Et en fait, il s'agissait de manifester en fait, l'intérêt de ce site par une grosse manifestation populaire. Donc il y a une partie concert et aussi une partie animation archéologique avec différents types d'artisans, des potiers, des bronziers, des forgerons et aussi des démonstrations de combat. C'est pour ça que notre association Cladio est là, donc une association qui est directement liée à l'Université de Lausanne, dont le but est de chercher à faire progresser les connaissances sur l'armement et les techniques de combat celtique, avec des approches classiques, reprise des sources littéraires, reprise de la documentation archéologique, mais aussi des expérimentations pratiques, des expérimentations de production d'armes et des expérimentations de combat. Notre spécialité, c'est les combats à large échelle, donc des combats en formation. Vous connaissez un peu les Celtes ? Ouais. Hein, les Celtes, bon, c'est pas seulement des artisans émérites, ça c'est vrai que c'est une de leurs bonnes qualités, mais en plus ce sont des combattants qui aiment bien se battre pour un oui ou pour un non. Souvent le oui ou le non, c'est souvent des vaches et des femmes d'ailleurs. Et là, ben, y a deux clans qui se font la guerre depuis des générations, à tel point que les deux clans de la même tribu, ils sont particulièrement affaiblis. Et ils ont décidé d'arrêter de faire la guerre en faisant un mariage. De conclure la paix. Bon, évidemment, ils n'ont pas pris le temps de consulter les mariés. Combat avec de fausses armes. En fait, on a des armes en bois qui sont protégées avec de la mousse. Ce qui permet vraiment de porter les coups. C'est pas de la chorégraphie, donc c'est du vrai combat. Donc c'est pour ça, ma foi, on utilise beaucoup de bétadine après pour, ma foi, effacer les scories de ces combats.